Bonjour, voilà, ça y est, cette fois-ci à la NRF pour New York, à New York, pour le grand show du retail qui a commencé ce matin. Donc 40 000 participants, c'est une grosse édition, hein, peu plus de 104 pays présents et évidemment pas mal de conférences. D'ailleurs, c'est la guerre pour accéder aux salles de conférences. Keynote d'ouverture ce matin avec Levi's, Walmart en intro. Bon, on n'a pas appris grand-chose, hein, malheureusement. Sinon, sur les stands, très belle délégation de la French Tech avec une quarantaine de startups et notamment moi deux qui ressortent un peu du lot que j'aime bien, c'est Auton sur plutôt le côté supply chain et la partie, on va dire, gamification, expérience client et autres avec Cohort. Et puis, alors, en tout cas, les 40, les 38 autres, on va dire, sont très très bien, mais allez-y si vous êtes à la NRF en tant que retailer. Plus globalement, c'est la présence des grands acteurs de la tech. On a des Samsung, des Sony, des Lenovo, des Qualcomm. On a également Uber présent. C'est assez dingue. Le retour aussi de la Chine, comme au CES. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'IA est partout, partout et partout. 10 fois plus que sur tous les autres salons comme le CES et autres. Là, on l'a mis dans tous les sens. D'ailleurs, la responsable innovation de Ralph Lauren a dit clairement aux retailers, faites attention à tout cet AI washing. Ce qui me fait dire très clairement qu'aujourd'hui, AI, l'intelligence artificielle, c'est le nouveau mot pour dire juste logiciel dans la plupart des temps et qu'on est très loin vraiment de cette intelligence artificielle. Néanmoins, sur pas mal de startups qu'on peut voir sur la Startup Zone ou sur l'Innovation Lab, il y a des solutions très intéressantes avec des LLM hyper spécifiques sur un élément particulier de la chaîne de valeur et ça, c'est du coup assez intéressant. Autre point fort qui est un peu dans le sens de l'IA, c'est la démultiplication des robots, de l'automatisation des warehouse, de la logistique. Évidemment, ça on l'avait déjà vu venir, mais là il y en a énormément. Et puis tous les gros acteurs ici présents ont leur solution de magasin autonome. Allez, demain pour un nouveau débrief.